Eh bien salut tout le monde, on se retrouve enfin pour l'épisode 3 de notre aventure sur Pokémon Noir en full random, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps hein, qu'on n'a pas repris, et enfin voilà la suite. Alors la dernière fois on était arrivé à Ogoès et on s'était laissé là, on n'avait pas été à l'arène ni rien, donc on va faire ça aujourd'hui à l'école des dresseurs aussi, donc on va faire plein de trucs. Je vous rappelle qu'on avait donc comme Pokémon, on avait chopé le petit larvéette là, Godlarve, qu'on a appelé, qui avait Hurletant, bon Pokémon. On a toujours le Poulpe, je les ai un petit peu entraînés, hein, donc lui niveau 12, le Poulpe niveau 10, toujours avec deux attaques qui... Bon, soit ça va, hein, Feu Follet, Bomber, c'est sympa. Ogalo qui lui niveau 10, Froni qui lui est niveau 11, et Lariama qui lui il est niveau 11 aussi, et c'est tout. Bon, non, si on fait l'arène, je pense qu'on devrait s'en sortir, on verra bien. Que fait-on en premier? Est-ce qu'on fait l'école des dresseurs? Bon, on va aller à l'école des dresseurs en premier. Peut-être des trucs à récupérer ou quoi. Coucou. C'est pas terrible. Ok. Bon, c'est un peu nul. Ah, c'est Tyrion, c'est notre pote là. Sa Pokémon se fait empoisonner, ses PV vont diminuer pendant le temps qu'il se battra. Ah, Felito. On est frotté au champion d'arène. Ouais. Était là, il était là à disserter sur les types de Pokémon. Ok. Puisque l'on parle de pratiquer, plutôt que dirais-tu d'un duel? Ouais, pourquoi pas. Allez. On va peut-être se faire défoncer ou pas. Quels sont ces Pokémon? Putain, parce que je crois que ça change à chaque fois. Ça va être rigolo. On a deux. Un boule de nœud. Ah ouais. Ah, niveau 8, ah ouais. C'est type quoi ça? Calque. Social, ok. On va c'est coup de boule. What? L'emblée. Tu m'envoies à l'emblée. Tu as Hurletant, tu vas rien comprendre. Ça me démange à mon nez. Ça me gratte. C'est chiant. Vous allez me voir pendant tout l'épisode en train de me gratter. Oui, c'est bien. Et moi, je compte sur la force brute. Voilà. On va laisser Godlarve. Godlarve, il doit monter un niveau. Parce qu'il va bientôt évoluer. Changer de niveau. Non. Je crois qu'il évolue niveau 20. Et j'aimerais bien savoir en quoi il va évoluer. Parce que je vous rappelle, les évolutions sont aléatoires. Ok. C'est normal, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Ah ouais, par contre, ça c'est pas cool. On va faire un petit Hurletant et puis ensuite on va... Ensuite on va... changer de Pokémon. Ah, quoique. S'il tient le coup, je peux le défoncer, s'il tient le coup. Et il tient le coup, hein. Larveillette qui gère... une boule de nœud. Oui, 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 oui. Laisse-moi t'attaquer, s'il te plaît. Je suis empoisonné, franchement, il y a moyen. Petit coup de boule. En plus, elle soigne pas son Pokémon, donc. Tant mieux. Allez hop. Allez, Godlarve, il est fort. Voilà. Niveau 13. Voilà. On t'a défoncé. La maîtrise d'objet, nanana. Ok, une B au rang.
Merci. Ah nanana, oui, je sais comment ça fonctionne une baie. Allez. Du coup, il n'y a pas grand chose à faire ici. On va se soigner quand même. Quoique, il a peut-être soigné mes Pokémon. Hein. Non. Je pensais qu'il était gentil, qu'il allait les soigner, mais au final, non. Et on peut voir qu'il y a le champion qui est là. Bon, j'accélère un peu parce que c'est long. Bili-bili. J'ai des potions en fait, moi. J'ai 3 potions. Je vais quand même en acheter quelques-unes. Non, c'est pas toi. Toi. Voilà. Je préfère avoir des potions quand même. Alors, c'est toi le champion. Oui, je suis bien le champion d'arène de cette ville. Tu es... Ah, c'est pour le combat à l'arène. Je peux te demander quel Pokémon tu as pris en premier? Moustillon. What? C'est pas Moustillon, c'est Octillery. Je crois que le random, en fait, il change le truc, mais... il garde quand même le truc de Moustillon. Bon, c'est pas grave. N'aime pas le type plante, hein. Tu devrais faire tes préparatifs, à mon avis. En entraînant un Pokémon dans les vestiges du rêve, par exemple. Bon, je t'attends l'arène. Il assiste à le vestige du rêve. Est-ce qu'on y va tout de suite? Je crois qu'on va y aller tout de suite parce que je sais qu'il y a des trucs à faire ici. Vestige du rêve. Je sais qu'il y a des choses à faire ici, donc on va quand même y aller. On va y aller après l'arène. On va terminer par l'arène, je pense. L'épisode. On va entraîner un peu nos Pokémon quand même. Fermite. C'est qui a une attaque feu aussi? J'ai des Pokémon de feu, mais je sais même pas s'ils ont des attaques feu. Non, toi t'as pas d'attaque feu toi. Non, le poulpe. La feu follet au pire. Oh, on va changer avec le poulpe. Notre starter quand même. Donc bon. Tu vas faire feu follet. Je crois que c'est un peu con de pas avoir de type feu. Enfin si, j'ai un type feu mais... Ah voilà. Ça a pas marché, d'accord. On va faire Bonk Burk. Mais t'es type passé, je crois que ça va pas fonctionner. Je sais pas quel type il est en fait. Je crois qu'il... Ouais voilà, il est type passé. Pécrois, ça fait un truc. Je sais plus. Non, non, non. Bon, on va changer. Ah non, mais lui, c'est bon. Ariama. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Ariama, t'as masse d'os, toi. Normalement, si je me trompe pas, c'est super efficace sur le... On se calme. Pour le petit passier. Bon, ok. À moins qu'il n'y ait pas que acier. Peut-être insecte acier. Je sais pas. Quoi? Ah ouais, d'accord. Enculé. Bon bah Frony. Quoi? Ah. Tu me le one shot, t'es niveau 8, tu me le one shot. Ok, non mais on va se soigner après, c'est pas grave. On va au galop. Violent le fermite. Bah surtout le fermite avec Osmerang quoi. Osmerang ça fait mal. Peux-tu faire un truc s'il te plaît? Ça fait rien sur toi. Voilà. Enfin. Et les DL. Vas-y, envoie les DL.
C'est bien. Et les dèles, c'est très cool. On va faire ça. Voilà. Ça, c'est très cool. Voilà. Non, mais. Voilà. Par contre, on va vite se soigner. Allez, touc. Nanana. Désolé pour ces petits fails. Faut que je m'en mette aussi dans le bain. Pokémon, ça fait longtemps que j'ai pu jouer. Mon PC est chaud. Mon PC rame un peu. Bon. Allez. On y retourne. Et cette fois, on fait pas de la merde. Hein. Ah là, donc là, je peux pas y aller. Là non plus en bas. J'ai évité un combat double, je crois. J'étais en dessous du deuxième dinosaure et du coup, je l'ai évité. T'en as trois. Rotiflamme. Ok. Et pendant que je m'entraînais, j'ai vu des gruits cuits. Sans déconner, j'ai vu des gruits cuits. Sauf que c'était. Bah, ils sont niveau 2 ou 3. Tout en dessous de la première ville, Arabelle, je crois. Donc, je sais pas si ça vaut le coup d'en prendre un. Sachant qu'il va pas évoluer en Rotiflamme, mais il va évoluer en. Ouais, alors, au moins, il aura deux évolutions, quoi. Mais du coup, je ne sais pas. On verra. Bah, garde, hein, je dois crack. Godlar, il va bien monter, lui. Du coup. De toute façon, je peux pas vraiment prédire quelle sera mon équipe finale au final parce que je sais même pas en quoi ils vont évoluer. Donc c'est bien parce que du coup j'aurai jamais la même équipe, ça va toujours changer. Il vient d'apprendre Dracoqueux. Hein. Il vient d'apprendre Dracoqueux. Bon Farouk, tu m'envoies quoi? Baby Manta. Balancer Dracoqueux, on verra. N'importe quoi, il est complètement pété Godlarv. Godlarv en fait c'est juste un putain de... comment on appelle? De... Dialga. Non mais c'est fun hein. Ah t'es pas un dresseur toi en fait. Je croyais. Octillery. Ah il te faudrait un Insolourdo. Il est le type idéal pour contrer les Pokémon de type plante qui sont faibles. De ton Octillery. Tu voudrais alors sur Insolourdo? Vas-y, parfait, voilà. Pourquoi il me donne un Pokémon? Vous lui donner son nom. Ouais, on va l'écrire normal. Pourquoi? Pourquoi? J'ai pas compris. Pourquoi on me donne un Pokémon? De type de... C'est... On va regarder. Donc j'ai un Insolourdo niveau 10. Au calme. Rigide de nature, oui. Il a... Feu glacé. Bulle d'eau et canicule. Feu glacé, c'est l'attaque de qui? Torche, boost capacité feu, si touché par les attaques feu. Second tour, lanceur projette un souffle. Mais ça... Feu glacé, c'est qui ça, 5 sur 5? 140, c'est pas une attaque signature de quelqu'un? Feu glacé... Canicule! Bulle d'eau, c'est va, mais bordel!
C'est n'importe quoi. Bon, moi je dis pas non. Feu glacé. Défense plus. Peut pas passer, c'est. Je peux pas passer, il faut coupe. Bah ouais, mais j'ai pas coupe. J'ai pas coupe, hein. D'ailleurs, on a où coupe? Où est-ce qu'on a coupe? De toute façon, il faut le premier badge pour pouvoir utiliser coupe. Mais je ne sais pas où est-ce que j'ai coupe. Bah, je sais pas. Bon, on verra après. Bon, on va faire l'arène, écoutez. Bon, on va soigner vite fait. Et on va faire l'arène. Mais non, what the fuck, quoi. D'où j'ai un seul lourdo? Bon. Bah, écoutez. En plus, t'as feu glacé, quoi. C'est nimp. C'est rigolo. Mais puis on a le badge, ouais. Ouais, je sais. Moi je veux coupe. A tous les coups, ça va être mes copains qui vont me les donner. Qui vont me donner coupe. Coucou. Enchanté, je suis Guido, le guide des dresseurs. Dans les zones Pokémon. Merci encore de relancer. De relever ce challenge. Pas de relancer, n'importe quoi. Et pour célébrer tes débuts, voici pour toi. Eau fraîche, merci. T'es très gentil. Ah oui, non, d'accord, oui, non. D'accord, j'ai compris. En fait, faut mettre la faiblesse. J'avais pas compris ce qu'il fallait faire. J'avais pas capté le truc. Ok, je me dois mettre la faiblesse. C'est très compliqué, hein. Ah, bonjour et bienvenue à l'arène de Goès. Nanana. Ok. C'est vrai que c'est un restaurant en fait son arène. Et ils sont 3 si je me trompe pas. Des champions. On en affronte qu'un. Enfin, il me semble. Un Stalgamin. Stalgamin. Je pourrais faire canicule mais. Bon, on va entraîner un petit peu un seul lourdo. Il a fait quoi? Je sais pas ce qu'il a fait. En plus, c'est même pas stabé, c'est n'importe quoi. C'est pas stabé, mais bon. On s'en fout. Ah, le pauvre. Ah, il a résisté. Ah, par contre, il va pas résister à une deuxième. Par contre, si tu peux arrêter de faire ça, ça serait très gentil de ta part. Voilà, bah, là, il va arrêter parce qu'il est mort. Il est parti au cimetière. On va utiliser une petite popo. Une popo, elle est là. Non! Qu'est-ce que... Non, pas l'eau. Non, mais... Voilà. Voilà. Jusque-là, c'est pas compliqué, hein. Nous sommes très fiers de notre menu, oui. Envoie-moi tes Pokémon, ma petite. Yann Mega. C'est quel type ça? Insecte? Que insecte? Je ne sais plus. On va tester. On va changer aussi parce que Godlarve est en premier, mais on va. Allez, fais le café, j'espère. Faut qu'on entraîne un peu lui aussi. Bah vas-y, fais Aurora Force. En espérant que t'as pas une attaque. Tente.
Ne me tue pas. C'est bon. Voilà, dans tes fesses. Pouf. Octiri niveau 11. Mais c'est chiant, Octiri peut pas évoluer. Enfin, je crois pas, non, non. Trio piqueur. Ah, attendez, parce que faut. Bon, il y a. Il y a. Il y a comment? Frony, il a quoi? Incapacité. Non! Non. Incapacité. Allez, on va envoyer Frony quand même. Je pourrais envoyer un sourd d'eau et son bulldo, mais. J'ai envie d'envoyer Frony. Normalement, il aura pas d'attaque sol, donc ça passe quoi. Tu m'attaques à quel pied? T'as pas de pied. Non, mais un trio piqueur qui fait triple pied quoi. Ça, on gère. Regardez. Voilà, on gère. On gagne pas mal d'expérience. Voilà. Et. Franchement. Nickel. Allez. Allez, on y go, Godlarve, ça va être notre valeur sûre. Bienvenue chez nous à l'arène de Goes. Moi c'est Amando, j'explose avec tout avec mon Pokémon de feu. Je me nomme Noah, espèce de type O, tu vas avoir droit à ma démonstration. Et puis il y a moi, j'aime le type plante, et je m'appelle Rachid. Je pense que, comment dire... Tu demandes pourquoi on est trois. Alors, pitié, laisse-moi faire. On est trois. Ça, t'as vu ça? Ouais, trois. Et on choisit qui va se fighter en fonction du type du premier Pokémon de l'adversaire. Ouais, c'est comme ça, nous. Parfaitement, oui. Et ainsi, le premier Pokémon que tu as choisi est de type O, n'est-ce pas? Donc, je crois que ça veut dire que c'est moi et le type plante que tu vas affronter. Ok. Donc toi tu parles pas. C'est ce plan. Ah, lui dit quoi? Ok, ça je demande. Ah, ok. Bah oui, on va s'affronter. Allez. Envoie ton type plante. Ah mon pauvre. En soi il a une attaque, plante. N'importe quoi. Ah ouais. T'en es là. On va changer un peu parce que on va pas, je vais pas mettre que Godlar. Allez au galop. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Enfin qu'on l'a pas vu. Faudrait qu'il monte un peu. Nitro charge. Bah on a bien fait au final. Mon pauvre. T'es confus. J'ai pas vu c'était quoi l'attaque. Faire au piqué. Ça te fait rien.
On va changer. On va envoyer pourquoi? Rayon chargé. On va faire feu glacé. Ah, ça demande un tour. Ça demandait un tour. Mais c'est l'attaque de qui, feu glacé? Ça serait pas Kyurem? Allez, canicule. Bulle d'eau. M'en doutais qu'il avait une potion. Canicule. On devrait tanker normalement. On tank. Un PV mais on tank. Je suis désolé, on tank. On va envoyer Frony. Glace. Voilà. Godlarve niveau 16. Bon, par contre, c'est triste qu'ils ont pas de bon Pokémon en face. Ils ont pas eu de bol. Oh là, je suis tout chamboulé. Tu as beaucoup de force. Même Armando et Noah n'auraient pas pu te vaincre. Merci. Voilà. Plutôt reçoit le badge triple de Rachid. Les badges prouvent la valeur des dresseurs. Avec un badge, les Pokémon échangés obéissent jusqu'au niveau 20. Et prends ceci. Rengorgement, ok. À l'intérieur, tu trouveras la capacité rengorgement. Et l'augmente l'attaque et l'attaque spéciale. Au fait, tu peux utiliser une CT toute fois que tu veux. D'accord. Et pour coupe, ça marche comment? Quelqu'un me donne coupe ou... J'aimerais bien. Allez, on se barre. Ah, peut-être elle. Salut, je me présente. Oriz, le professeur Catella m'a demandé de donner quelque chose. Viens un peu par ici. Où m'emmènes-tu? Vous voulez trouver tous les Pokémon du Nice, n'est-ce pas? Les escaliers sont juste là. Tu m'emmènes dans ta chambre? Ma chambre est là-haut. Viens, monte. Bah, je te suis, jeune fille. Je me présente encore une fois. Je suis Oriz, scientifique, comme tu peux le voir. Ma spécialité, c'est les dresseurs. Je suis une amie de Cateria, depuis l'université. Elle m'a demandé de te donner un coup de main. Pour fêter notre première coopération, laisse-moi t'offrir ce CS. Ok, donc voilà, je m'en doutais. CS coupe. Merci. Parmi les capacités que les Pokémon peuvent apprendre, certaines peuvent être utiles en dehors des combats. Je sais, oui. Tu peux utiliser autant de fois. Méga cool, non, mais attention, une fois apprises, les capacités secrètes sont dures à oublier. Bon, après ce coup de main, j'ai quelque chose à te demander. Près de Goes, il y a un endroit appelé les Vestiges du Rêve. Là-bas, il y a un Pokémon, Muna, qui crache la brume des rêves. Il me faut cette brume des rêves. Avec elle, je pourrais accumuler les données grâce à un synchro jeu. Ok. Bah j'irai j'irai là, on fera ça la prochaine fois je pense hein. Ok, là c'est le PC. Toi tu me dis un truc. Oui. Ok. On va regarder vite fait qui peut apprendre coupe du coup. Ah
Ouais, mais j'ai pas envie de la prendre à Godlarve. On va capturer. On va vite regarder ce qu'il y a en dehors. On soigne. On se soigne vite fait. De toute façon, j'ai bientôt arrêté l'épisode. Allez, on garde vite fait, mais vraiment vite fait. Il n'y avait pas d'herbe là-bas. Non, c'est pas là. Il n'y a pas de hautes herbes. Est-ce qu'il y a un Pokémon ici qui peut apprendre? Oui, avant. Zébibron, tu peux apprendre coupe toi? Je crois pas qu'il peut apprendre coupe. Je sais pas s'il peut apprendre coupe. Ça je veux pas. Il me faut un Pokémon qui puisse apprendre coupe. J'ai pas envie de l'apprendre à Godlarve. Tu peux apprendre coupe toi, Piafabec? Écoutez, on va capturer un Piafabec. Laisse-toi capturer, s'il te plaît. Un putain de Piafabec. T'as pas galéré, putain de Piafabec niveau 4. Je t'attaque, tu meurs. Gogol. Moi, je veux juste un Pokémon qui puisse apprendre coupe. Picor. Bah ouais, mais il meurt. Forcément, il meurt. T'apprends pas coupe ça. Ah, je pense pas. Je veux juste pas apprendre coupe à Bidule. Allez, rentre juste, c'est une putain de Pokéball, t'es niveau 4, t'es un Piafbec, tu vas pas m'emmerder. Connard! Voilà! Allez, c'est bien, t'es gentil. Non, je donne pas de surnom parce que lui, je m'en tape complètement. Allez, on retourne vite fait. Je regarde juste s'il peut apprendre coupe. Déposer. Bon, désolé mon petit insolourdo, je te dépose. Hop. Bon, alors, ce que je vais faire, je vais trouver un Pokémon que je vais rechercher dans les zones en bas. Les Pokémon que j'ai croisés et on verra s'il y en a qui apprennent coupe ou pas. Voilà. Il y avait des Altaria. Putain, j'ai galéré à capturer un Altaria moi aussi. Bon, il y avait des Altaria. Je ne sais pas si ça apprend coupe. Mais bon, on verra bien. De toute façon, j'ai pas galéré à 30 ans à chercher un Pokémon qui puisse apprendre coupe dans cet épisode. Je le ferai ça en off.
On est déjà à 36 minutes, donc on va s'arrêter là. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker, commenter. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour aller faire les vestiges des rêves. Ou du rêve, je sais plus, bref. Du ou des, c'est pareil. Et continuer vers la prochaine ville, je pense. Hein. Ça va pas prendre trop longtemps, je pense, les vestiges du rêve. Donc, ouais, on ira vers la prochaine ville. Ensuite, voilà. Donc, sur ce, on se laisse. Et à la prochaine. Allez, bye tout le monde.